aujourd'hui, regarde le monde tel qu'il est. Est-ce que vraiment... Pas évolué du tout. On est au même niveau qu'au Moyen-Âge. Exactement. On est au même niveau qu'au Moyen-Âge. On n'a pas bougé. Tu aimes quelqu'un, est-ce que ça prend du temps? Tu as besoin d'évolution pour ça? En réalité, c'est l'homme qui fait que l'évolution existe parce qu'on a pris ce conditionnement pour pouvoir aussi évoluer. Il n'y a rien qui évolue. Le bonheur, la joie, c'est maintenant. Est-ce que nous, en tant que moi-je, on existe? On n'existe que, on n'est qu'un paquet de mémoire. Je ne parle pas de moi-je, là je parle de l'énergie. L'énergie, elle n'existe pas pour l'instant tant qu'on n'a pas cette paix en toi. Comment tu peux prétendre dire que je vais élever mon enfant dans les meilleures conditions? Comment tu peux prétendre lui donner de l'amour si tu n'en as pas? Parce que vous savez, le bien et le mal, il va le découvrir par lui-même et on n'a pas la même notion de bien. Il n'y a pas de bien et de mal. Le mal, c'est ce que la pensée a fabriqué. On a inventé ça. On a inventé pour savoir, pour dire entre ça et ça, ça j'aime, ça j'aime pas. Donc je définis à mon goût que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Elle est jolie, elle est moins jolie, donc je préfère elle. Donc, toute notre vie, on n'a fait que comparer. Et aujourd'hui, on a du mal, on est dans un conflit. Donc, ce que l'esprit fabrique, c'est ni plus ni moins sa propre conclusion. Et toute cette énergie, je dirais, c'est du gaspillage. Tu as besoin de toute l'énergie pour aller regarder qui tu es. Et c'est ça qui existe. L'enfant, la mère, monsieur le maire là-bas, tout ça, c'est à l'extérieur de nous. Ce qui se passe, tout se passe à l'intérieur de soi. Il n'y a rien à faire pour changer le monde. Change-toi et le monde changera. Pense pas à ce monde, comment il devra être ton enfant ou ceci. Change-toi d'abord et vois déjà la paix que tu as en toi. Et celle-là, c'est celle-là qui va changer le monde. Mais pas ce que tu crois va changer le monde. Il faut que tu l'aies d'abord. Ce n'est pas l'immigration non plus. C'est vrai que c'est nous qui devons changer. C'est nous qui envoyons toute cette énergie, toutes ces paroles, ces mauvaises paroles qui sont dans les airs. Elles vont dans la direction de tout le monde. Qui vous dit que l'autre bout du monde n'en va pas? Avec son cœur. Voilà, madame. L'autre bout du monde, c'est quoi? C'est ce qu'on explique, c'est les égrégores. C'est-à-dire que quand il y a une manifestation, une énergie. Donc quand on est un à avoir peur, 2, 3, 4, on se branche à l'égrégore de la peur, on l'agrandit, et même les gens qui n'ont pas peur, ils ont peur. C'est ce qu'il dit, monsieur. Voilà, monsieur. Donc c'est vraiment apprendre ça. Apprendre à nous connaître nous-mêmes, à nous aimer nous-mêmes, et l'amour se dégage de nous, et puis voilà. Non, effectivement, c'est que quand on est lumineux d'amour, et que tout ce qui est colère, peur, etc., ça c'est des choses qu'on nous a, on va dire, briquées, ou voilà, qu'on nous a greffées. On parle justement de nettoyage, des égrégores, de formes pensées. Donc ça, c'est des formes pensées sur lesquelles on se branche. Donc quand on prendra conscience qu'on est amour et quand on va s'aimer, on aimera son prochain. Donc on ne fera plus de mal. On pense qu'on est ce mensonge. Ce mensonge ? Oui, il faut que tu découvres en premier ce mensonge. Parce que dès que le mensonge, la vérité, elle est là. Mais là, on en a pris conscience que c'est un mensonge. Depuis tout à l'heure, tu nous expliques l'illusion, oui, d'accord, etc. Mais il n'y a pas besoin de prendre conscience, parce qu'on est déjà ce qu'on est. Mm-hmm. Prendre conscience de l'illusion qui nous empêche d'être. Parce que si on va se brancher sur ce qu'on est, on ne verra pas ce qui se passe, qui nous empêche d'être. Et on sera leurré parce qu'on croit être quelque chose qui est merveilleux, tout ça. La pensée, c'est ça, elle fait que ça, tout le temps. Je suis merveilleux, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de pas égoïste, tout ça. Et si tu dis que tu as découvert ça, tu as découvert ton propre désir. Mm-hmm. Mais c'est de découvrir. C'est d'aller à l'intérieur. Mais d'aller à l'intérieur. Tu parlais de vide, c'est aller justement dans ce vide, voir ce qu'il y a. Oui, mais pour aller dans ce vide, passe le chemin de l'illusion et les mensonges, toutes les peurs, toutes les craintes. Il faut que tu les débusques. Mais quand tu les as débusqués, tu n'as plus rien à trouver là. Parce que tout est là. Oui, c'est... Voilà. Tu es. Mais ça ne vient que dans une grande méditation. Donc, toujours, chaque instant, chaque seconde de toute notre vie, c'est d'être branché par les mesquineries qu'on est. Quand tu dis Guy dans les méditations, mais la pratique de tout. Mm-hmm. Tous les jours. Tous les jours, chaque instant. Chaque minute, chaque seconde. C'est pas que dans les méditations, c'est tous les jours. Mais le vrai travail, c'est peut-être pas ça. Tout ce qu'on est en train de faire là, si c'est ce qu'on est en train de faire là maintenant, si vous partez chacun de vous de votre côté et vous oubliez tout ça, ça sert à rien ce qu'on a dit. Ça va être efficace parce qu'on aura pris conscience que c'est ça
qu'il faut garder tout le temps, tout le temps. Cette petite graine-là, il faut la faire germer. Voilà.